Bonjour tout le monde. Ben, on fait une nouvelle tentative aujourd'hui. On est en train de filmer avec le iPad. Puis on va voir si ça va bien. Ça va être plus facile à vous en envoyer. Pour faire un petit résumé, du voyage, ben, on est parti de Rivière-au-Nord. On a mis le bateau à l'eau. Yves, puis Odette, puis Pierre étaient avec moi. Puis on a mis le bateau à l'eau, ils m'ont aidé à le préparer. On est descendu à Grande Grève, ensuite on est descendu à Lanceabriant. Puis là, eux autres sont partis. Dans ce beau-fils, oui. Puis eux autres sont partis, puis Renaud a amené son sac. Puis mon fidèle compagnon de voyage. Puis là, on est parti dans ce beau-fils dimanche matin. Avec l'aide pour avoir tout ce que ça nous prenait, avec l'aide du réseau familial pour avoir la pièce qui nous manquait pour le frigo. Olivier est allé la chercher en pleine nuit puis est venu la déposer sur le bateau pour nous permettre de dormir pendant la nuit. Puis, fait qu'on est parti de l'ensemble-office à 4h du matin avec la pièce du frigo. Puis on s'est rendu aux îles de la Madeleine. À l'étang du Nord, on a bien fait ça, 16 heures, on a fait voile et moteur un bon bout, puis de la voile un bon bout, puis ça fait que ça a bien été. À l'étang du Nord, on est arrivé là, il était dimanche soir. Ouais, il était comme 9h. 9h le soir. Chose, on s'est accosté à l'épaule sur un autre bateau de quelqu'un qu'on connaissait, Simon était là, on s'est accosté sur son bateau. Puis le lendemain, on a fait le tour de l'île. Puis on est allé à Cap-aux-Meules. Puis là, on a attendu que le front passe. Puis jeudi matin de bonne heure, on est parti de Cap-aux-Meules pour se rendre à Port-aux-Basses, sur Terre-Neuve. Puis là, à Port-aux-Basses, on a fait de la belle voile, 12 heures de belle voile. On a maintenu ses nœuds pendant 12 heures de temps. Puis on a... On est rentré à Port-aux-Basques à 9h le soir encore. Juste à Brunant. Puis c'était beau Port-aux-Basques. C'est pas riche, là, mais le monde sont fins. Tout le monde a été super fin. Les gens sont généreux. Oui, le monde sont généreux. Ils nous ont donné des listes puis pour aller chez du fioul et tout ça. Ça fait que c'est le fun. Un matin, on est parti de Port-aux-Basques, puis là, on s'en va, on longe la côte. Je vais vous montrer la côte. Je sais pas comment ça marche. On fait ça comme ça, je commence. Ah non, on ne peut pas virer de bord là-bas. Mais la côte est là-bas, on longe la côte, là. Puis de Terre-Neuve, très montagneux, puis très rocheux. Puis, on s'en va vers Lacoile. C'est à peu près à 34 000 là, de Port-aux-Basses. Puis c'est une petite communauté là, qui est là, là. Puis je pense qu'il y a à peu près 125 personnes qui vivent là. Yeah. Fait que là, on fait moteur et voile, on est en ciseaux. Les voiles sont en ciseaux, on est vent arrière. Puis il fait beau, il fait soleil. Puis, mais il n'y a pas beaucoup de vent. Puis, fait qu'on s'aide avec le moteur un petit peu. Puis on va arriver là dans le début d'après-midi. Puis, à tous les jours, on va faire des petits bouts comme ça. Pour se rendre éventuellement à Saint-Pierre. Aller serrer la patte de Oui, c'est ça. Puis aller manger un croissant le matin puis un café au lait télé-français. Bon, ben c'est ça. On va vous envoyer ça puis on va voir comment ça fonctionne avec le pad pour la communication comme ça. Bon, on va faire un petit tour du bateau. Tiens, on va tranquillement. Il fait beau. La mer est belle. Puis... En s'en allant à Port-aux-Basques, on a été accompagné de beaucoup de... On a eu des baleines, on a eu un gros troupeau de dauphins. On va vous envoyer des images sur ça là, à un moment donné, là, qu'on a pris. Puis aujourd'hui, là, on n'a pas vu encore beaucoup de mammifères marins, mais il y a nous autres. Fait que, ben, bye, passez une belle journée. Salut!